Et il y a une présence dans cette maison. C'est l'enjeu dans les maisons d'écrivains, c'est à la fois d'en faire un lieu de recherche, un lieu de connaissance de l'auteur et de transmission de l'œuvre, en continuant à donner cette présence vivante. Ce sont des lieux vivants, de culture vivante. La chance extraordinaire de ce lieu, par rapport à beaucoup de maisons, c'est d'avoir tout conservé sur place. Ça a été une véritable histoire d'amour. Amour entre une maison et un auteur. Il avait besoin de ce cocon familial, il avait besoin de ce havre de paix pour pouvoir écrire, pour pouvoir composer. Maintenant, ça nous paraît curieux de dire que cette maison est éloignée de Manneuse, qu'elle en fait partie. Mais à l'époque où mon père l'a achetée, dans les années 29-30, eh bien, cette maison, c'était vraiment la campagne. Je dis toujours, j'ai une grande admiration pour mon père, mais une double admiration pour ma mère. D'abord parce que quand mon père a quitté la banque pour essayer de vivre de sa plume comme ça, c'est-à-dire qu'il ne touchait plus les fins de mois, il n'avait plus de logement de fonction, il avait une charge de femme autour de lui importante, et brusquement, il décide de vivre de son écriture. Il croyait en lui, il savait qu'il avait l'imagination pour créer des livres. Mais ma mère n'était pas forcée de le suivre dans ces chemins-là. Elle ne lui a pas dit, mais Jean, continue d'écrire derrière les bordereaux de banque, ce qu'il avait déjà fait. Il avait écrit deux romans avec des bordereaux de la banque. Mais il n'a plus voulu faire partie, il a voulu être libre. Donc il va acheter cette maison qui va devenir pendant 40 ans à la fois la maison de famille, bien sûr, la maison à vivre, mais surtout l'atelier de cet artisan d'image, comme il s'appelait lui-même, qui va voyager dans cette maison de bureau en bureau, déplaçant son bureau pendant 40 ans. Ici où nous sommes, c'était le premier, c'était le dernier, puisqu'il était au rez-de-chaussée quand il était trop fatigué et trop malade pour accéder à l'étage. Et ça va être dans les bureaux du second étage, deux bureaux successifs, entre 1935 et 1964-65, donc pendant 30 ans, dans le hall de la maison. Ce qui est assez rare aussi, c'est un écrivain qui va écrire toute son œuvre dans un lieu unique. Bien sûr, il écrivait pendant ses vacances à la montagne, mais enfin, tout se finissait et se terminait ici, était tapé à la machine par son épouse ici, partait chez l'éditeur de cette maison. Donc, aussi bien Le Chant du Monde, que Le Hussard sur le Toit, que Les Âmes Fortes, que Un Roi sans Divertissement, tout est parti d'ici. Alors, nous sommes dans un des bureaux de Giono, mais c'est celui où il est resté le plus longtemps, installé, de 1948 à 1964. Et donc, on a ici vraiment l'atelier de l'artisan d'image, l'atelier du créateur, du romancier, avec des rituels d'écriture qui se sont mis en place assez vite et auxquels il est resté très, très fidèle. Par exemple, écrire sur un papier jaune paille. Pourquoi ? Parce que la lumière, ses yeux étaient fragiles, et la lumière est moins violente, évidemment, sur un papier légèrement jaune que sur un papier blanc. Ensuite, une écriture à la plume et à l'encre, hein. Des plumes Nostradamus de préférence. Ensuite, une encre noire, il y en a encore depuis bientôt 50 ans, des bouteilles pleines ici, une encre noire qu'il voulait la plus noire possible, et pour avoir un beau contraste d'écriture sur la page manuscrite. Ensuite, il n'aimait pas faire de plan. J'écris, je ne fais pas de plan, j'écris, disait-il. Mais il avait quand même à côté de lui en permanence des carnets à spirale, dont toute la collection a été conservée. Et ces carnets, c'était un peu le ouvert à côté de lui, ou bien pour le travail en cours, ou pour un travail futur, mais aussi pour la vie quotidienne parfois, où son journal se tenait sur ses carnets. Mais parfois c'était en effet tout d'un coup un morceau de rédaction, ou une idée de roman qui lui passait à la tête, qu'il notait. Alors la pipe, évidemment, l'indispensable pipe
qui s'est mis à fumer très jeune. Et pendant la guerre de 1914, dans ses lettres à ses parents, il est question du tabac, de la pipe et des livres, évidemment, énormément. Et il faut lui fournir ses pipes, il faut lui fournir, le fournir en tabac. Alors, Junot, voyageur immobile, certes, il n'a pas fait beaucoup de voyages lointains. Par contre, il bougeait beaucoup dans la région. Ce n'était pas quelqu'un qui était immobile derrière son bureau, entendons-nous bien. Mais qui a beaucoup voyagé avec le National Geographic Magazine, avec les cartes d'état-major, les cartes Michelin, et surtout, mais surtout d'état-major, qui lui servaient à écrire les instructions nautiques, qui sont des instructions pour les capitaines de vaisseaux, dont il était un lecteur très friand. Il disait que c'était pour lui comme le code civil pour Stendhal. Donc des modèles de style, de simplicité, de rigueur de style. Voilà, on est dans, là, dans le décor qui a vu se terminer le Hussard sur le toit, s'écrire les grands chemins, le Moulin de Pologne, le Bonheur fou, le Désastre de Pavie, voilà, tout s'écrire le scénario de son film Crésus aussi, etc. Donc c'était le grenier de Junot qui est devenu presque un mythe dans la vie littéraire du temps. C'est très curieux que chaque fois que je pense à mon père, je me pose la question. Je dis comment cet homme qui était un voyageur immobile, qui restait dans son bureau, dans cette maison, sur cette terrasse que vous voyez là, comment a-t-il pu attirer autant de monde? Mais il y avait autour de lui une espèce d'aura de tranquillité, une aura de bonheur extraordinaire. Les gens venaient se mettre sous sa protection, et notamment je vous parle pendant la période de la guerre, cette seconde guerre de 39 à 45, où on a vu défiler énormément de personnes qui fuyaient la zone occupée. Et mon père réussissait d'ailleurs à en faire passer ou en Espagne ou à les protéger, mais dès qu'ils arrivaient, ils avaient l'impression que là, ils ne risquaient plus rien. Donc cette maison était ouverte. La porte a toujours été ouverte du vivant de mon père. Il recevait tout à fait simplement et volontiers les visiteurs, il s'interrompait, il reprenait son écriture plus tard, alors avec des histoires extraordinaires, comme toujours, avec lui. C'est-à-dire qu'il était capable de vous montrer une liasse de papier, comme ça, mais cachée dans une chemise, en disant « voilà, c'est le manuscrit de mon nouveau roman, il est terminé, il va partir chez Gallimard ». Et il racontait ce roman. Et la liasse, c'était du papier vierge. Et une grande partie de l'œuvre de Junot, aimait à dire Pierre Magnan, s'est écrite en parole et a disparu. Et ajoutait Pierre Magnan, qui a fréquenté beaucoup Junot dans la fin des années 30 et pendant la guerre, je n'ai jamais retrouvé, disait-il, dans son œuvre écrite, rien de ce qu'il me racontait quand j'étais là, devant son bureau, à l'écouter. Il voulait voir l'étincelle d'émerveillement dans les yeux des personnes qui écoutaient. Alors, nous, bien sûr, on l'avait toujours, cette étincelle, mais on était la famille, il nous connaissait. Qui est cette étincelle dans des yeux qu'il ne connaissait pas, ça, c'était son petit sucre d'orge. Alors, il aimait s'entourer de personnages comme ça, qui ne faisaient que passer, mais qui lui apportaient aussi des visions d'un monde qu'il ne connaissait pas, puisque lui est resté à Manosque. Dans le calme de cette pièce, s'inventaient ces drames absolument épiques et monstrueux. Le choléra qui dévaste la Provence et Manosque, c'est inventé et écrit ici. Les assassinats, les suicides qui sont le lot de beaucoup de personnages de Junot. Voilà, alors il raconte, je voyais l'assassin traverser ma bibliothèque, passer là, voilà. Il vit au milieu de ces personnages, grandeur nature, dit-il, et il se mélange à eux et il est dans tous ces personnages. On me pose très souvent la question, à quel moment de la journée votre père travaillait? Chaque fois je réponds, mais mon père ne travaillait jamais. Il prenait son bonheur à écrire. C'est tout à fait différent. Tous les soirs, il nous lisait les écrits qu'il avait écrits dans la journée, ces pages qu'il avait écrites dans la journée. On suivait l'évolution de son histoire, on suivait ses héros, ses héroïnes. Et brusquement, quand il y avait l'arrêt, arrêt sur image, eh bien, on commençait un autre roman, mais nous, on était en attente de celui qui était en point d'interrogation. Et quelquefois, ça durait longtemps. S'il nous lisait à haute voix le soir ce qu'il avait écrit dans la journée, c'était tout simplement ce qu'on appelle le gueuloir.
ce qu'il voulait, c'était entendre son texte à haute voix, savoir comment la phrase résonnait, si elle était équilibrée, si elle était belle à l'écoute. Parce que ce qui était important pour lui, c'était à la fois le texte écrit, mais c'est pour ça que les textes lus à haute voix, les textes de mon père, sont merveilleux, parce que c'est une autre lecture faite. Et moi, je suis toujours pleine d'admiration quand des acteurs viennent et lisent des œuvres de mon père. J'ai l'impression de redécouvrir l'œuvre que mon père nous lisait le soir, ce qui est tout à fait différent. Un écrivain est d'abord un lecteur. En lisant un écrivain, disait Julien Gracq, mais Giono est né écrivain à partir des lectures. C'est quelqu'un qui a découvert le monde à travers les livres. Il était fasciné par ce qu'écrivait Montaigne sur sa librairie. Il trouvait que c'était ce qu'il avait écrit de plus beau sur la paix et sur la sérénité. Et il a eu l'ambition vraiment de se constituer pendant plus d'un demi-siècle une librairie personnelle qui est révélatrice de ses goûts, mais surtout de son érudition, de sa curiosité et des différentes directions dans lesquelles il a aussi cherché en littérature. C'est une bibliothèque qui est moins constituée d'œuvres romanesques que d'œuvres documentaires, de documents réels, comme il disait, pour pouvoir écrire ces documents imaginaires. Alors bien sûr, vous avez Proust, dont il est un grand lecteur, bien sûr, vous avez Stendhal, qui occupe plus de 2 rayons, mais vous avez aussi ici toute une bibliothèque orientaliste de plus de 400 volumes, Japon, Chine, Tibet, Inde, etc. L'Arabie, voilà un écrivain qui a été fasciné par le désert, dont le désert est un des thèmes forts de l'imaginaire. Ailleurs, nous avons toute l'œuvre de Faulkner, qui a été certainement, avec Stendhal, à partir de 1938, l'autre grande influence marquante sur son écriture. Et puis évidemment, la Pléiade dont il a été tout le temps un lecteur extrêmement fervent. Donc Pléiade, on voit d'ailleurs au niveau d'usure des couvertures, ce que, bien sûr, Stendhal est très usé, mais aussi l'histoire de la Révolution française de Michelet, ce qui est intéressant. Et par exemple, la première édition du journal d'André Gide, signée par André Gide lui-même, qu'il envoie à Giono. Et là, ici, vous avez toutes les pages où Giono a trouvé des choses, évidemment, qui ont retenu son attention, qui sont indiquées. C'est lui qui a fait entrer Machiavel dans la Pléiade. Et puis, évidemment, à la fin de sa vie, son grand rêve, c'était de voir paraître le premier volume de sa propre Pléiade. Et ça lui était refusé à un an près, puisqu'il est mort un an avant l'apparition du premier volume de ses œuvres romanesques dans la Pléiade. Mais il y a beaucoup collaboré. Sa vie repose sur les livres. Et il est incontestable que cette bibliothèque, dont on voit seulement une partie dans cette pièce, il l'a conçue comme une œuvre. C'est l'œuvre de sa vie. En fait, il faudrait avoir lu la totalité de cette bibliothèque, ou presque, pour vraiment connaître parfaitement le fonctionnement de l'écrivain. Elle est considérée par beaucoup comme une des œuvres majeures du XXe siècle, ce qui est tout à fait évident. Je veux dire. Bon. Et une œuvre qui n'a pas vieilli, c'est ça qui est quand même assez stupéfiant. Mais pourquoi? D'abord parce qu'il y a une écriture qui est intemporelle et qui est magnifique, dont la musique est absolument intemporelle. Et puis ensuite parce que c'est une œuvre qui n'a jamais vraiment jouer avec la mode et l'actualité, c'est une œuvre hors du temps. Et surtout, c'est une œuvre qui a réactualisé tous les grands mythes. Tous les grands mythes de l'Antiquité dans la première partie et toutes les grandes questions humaines existentielles, surtout dans la deuxième partie. Lui, il se voulait plutôt un écrivain du Sud. Et en ça, il se comparait à Faulkner, évidemment. Je suis comme Faulkner, un écrivain qui a inventé un Sud imaginaire. Et c'est vrai qu'il a réinventé un pays pour le mettre à sa mesure, à la mesure de ce qu'il avait à dire et à raconter sur l'humanité. Il a la même intemporalité que Proust, je veux dire, c'est incontestable.